Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité tourne autour de manifestations d'hier, les sabotages, les actes de vandalisme, les violences, ainsi de suite. On a tous entendu, on a tous vu, et vous avez suivi, moi, personnellement, mon point de vue dans la première partie. Moi, je dénonce, hein, je dénonce actes nyonso à vandalisme et à violence, nyonso, mais na tikali na logique, nanga ya que, to condamner place et outil. Au lieu de condamner place où est commis. En même temps, je me mets à signaler déjà que hier une réunion s'est tenue, la PPRD, avec des professeurs, au Bazalaki Kokana, que bah, c'est vengé, paix le coup là, eux, c'est les mecs qui sont FCC, ou disons, c'est les mecs qui sont manifestants, au Bango, bah, doit attribuer, bah, j'ai battu à Idepes. Alors, Nabato, bango bakani basalamabe, batangi bato, hein, belé, donc y a beaucoup de personnes, bango bakabazo ciblé, et parmi les journalistes, bango bakabazo ciblé, on me cible moi aussi, parce qu'on m'attribue moutoua cash, babina moutoua cash, donc ils vont aussi se venger. Bon. Je ne sais pas pourquoi ils veulent se venger, pourquoi ils pensent que moi, naza kote kuna, je ne sais pas pourquoi en tout cas, mais ils ont des raisons, bango bakabazo salaire. Mais en même temps, j'interpelle na autorité un peu perdue. Bon, mais un peu qu'on retenir bato nabino. Retenez vos hommes, il faut leur dire. Bah attaquer bateau dans ma moyenne à Bango. C'est toujours important. Envoyer des gens pour attaquer sur le plan de la réflexion, bateau va attaquer dans la réflexion. Bateau va attaquer dans ma coffre, bateau va attaquer dans ma coffre. N'inversez pas les rôles. Ça n'a rien à voir. Et nous demandons à la police de prendre des précautions. Parce qu'au moins, il y a déjà préméditation. La première partie, il y a déjà qu'ils ont promis que Bango va faire ça. Au moins, on saura que Bango va faire ça. Et qu'on va perdre Bango. Père d'un robot et ban parce que balobi des équipes à gossala yango. Donc maintenant tout le monde sait. Et parmi bateau bakani basala, ils ont pensé que moi aussi ma cible ngapé. Alors on m'a informé cela pour dire que je suis un journaliste d'investigation. J'apprends toutes les réunions qui se font, je vous le dis, comme la réunion d'hier. Naibi Sibino, déjà ce qui a été dit et ce qui peut être fait. Donc ne soyez pas surpris si jamais demain quelque chose à bon est commis. Mais nous, on ne va pas changer nos propos. Totikali kaka place tozali. On continue à combattre le mal jusqu'au dernier retranchement. Le mal restera le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien restera le bien, même si personne ne le fait. Mesdames et messieurs, il y a après-Covid. Tout ce qu'on nous amène là, il y a la distraction. Mais qu'est-ce qui va se passer après-Covid? Après Covid, les gens ont besoin de très grandes réformes. Pas des réformes sur mesure. Pas des réformes pour le plaisir des réformes. Mais les gens ont besoin des grandes réformes. Il y a Mboka. Moi, je prendrai que deux éléments. Je vais prendre seulement secteur et la justice.
na secteur et enseignement. Et là, il y a un balai ou un cousin. Ce qui est un cookie, et celle qui est la kata, bon, la kata, mais au moins, il y a un cookie qui est la kata, réforme et enseignement, la réforme et justice. Bandeko, na bandana nous la réforme et enseignement. Nous devons apprendre à réformer notre système éducatif. Il est important. Et vous savez, le système éducatif, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Et dans l'enseignement, parce que les gens pensent que quand on dit système éducatif, on parle seulement de l'enseignement. Non, c'est un ensemble de makambo. Et ensemble, ma valeur est belé. Et on a bien un système éducatif. D'abord, système yomoko, et ensemble, ben, éléments. Et puis, éducatif, et ça, enseignement, etc. Et là aussi, un autre ensemble de choses. Donc, aujourd'hui, quand on dit que nous avons besoin qu'après Covid, tout réformer le système d'abuso, c'est aussi avoir envie de moderniser Angopé. T'as la Covid et 26 personnes sur la bandaku. Mais sous d'autres cieux, les gens continuent à étudier, même en ligne. Mais bien sûr, les autres ont la capacité de faire ça, l'enseignement en ligne. Parce que nous n'avons pas encore réussi même l'enseignement analogique, si vous voulez permettre l'expression. Tu réussis dans l'enseignement analogique. On n'a pas encore répondu à la question primordiale. Il y a au Italie enseignement. Qui enseigne? Qui peut enseigner au Congo? Où on peut enseigner au Congo? Quand on peut enseigner au Congo? Comment on peut enseigner au Congo? Et pourquoi on peut enseigner au Congo? Ce sont les cinq, je veux dire ici, les cinq questions fondamentales. Qui enseigne au Congo? Quand on enseigne au Congo? Comment on enseigne au Congo? Où on enseigne au Congo? Et pourquoi on enseigne au Congo? C'est vrai que les questions, la question à poser, on a et là, la question l'amener dans l'ordre hiérarchique. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi doit-on enseigner dans un pays? Ça, quand on répond à la question, ça nous donne déjà l'idée. Tout le monde a dit que enseignant en fonction, il a besoin de quelqu'un. Le pays doit avoir soit une vision, soit une ambition, soit à se confronter à un problème. Répondre à la question. Sinon, vous aurez des licenciés inutiles. Vous aurez des gradués inutiles comme on a aujourd'hui chez nous. On a des licenciés inutiles qui ne font rien. Nous, en fait, lorsque vous enseignez pour le besoin juste d'enseigner, alors vous formez beaucoup plus de chômeurs sans le savoir. Pourquoi vous avez mis ça à la tête? Parce que place où nous formons les bangos, il n'y a pas de place où il y a que, il y a fermé. Et il y a mis ça à la tête place où on a. Et là où on demande beaucoup d'emploi, là où ça demande l'emploi, et qu'est-ce qui va se passer? C'est le bricolage. Bricolage d'un côté, la reconversion professionnelle de l'autre côté. La reconversion professionnelle est d'Alimini. Et d'Alimini, Moto, Atanga qui est droit, mais pour le besoin de la cause, a commis maçon. À Salaka droit, mais à Salaka médecine, ou à Salaka, je ne sais pas mon sens politique, mais pour le besoin de la cause, il y a un commis chimiste. A commis que Salaka, ma peinture, ma nini, vous voyez tout ça? Donc, c'est que les gens ont appris des choses qui ne le servent pas. Ou simplement des choses dont l'État n'a pas besoin. C'est ce qu'on appelle le modèle a été finalement détruit. Pourquoi? On enseigne parce que on estime qu'il y a un besoin tout en ici banawana. Le Congo est en pleine reconstruction. Alors on ne va pas le développer ce pays juriste, science politique, RI, tout ça, non. Bref, on ne reconstruit pas un pays naba universitaire. On reconstruit un pays pour la plupart des cas naba technicien. Parce que dans la reconstruction, je ne parle pas reconstruction idéologique, non, je parle de la reconstruction matérielle. Kotonga bandaku, kotonga ba école, kotonga ba nzela, kotonga ba balabala, kodrague ba rivière, tout ça, kotonga ba pont, biloko na tout tonga mara ba docteur en droit, tonga mara na ba docteur en droit, na ba docteur en philosophie, tonga mara ba tonga te, ba relation internationale te, et tonga mara na ba tonga beaucoup. Alors, il faudrait à côté avoir des instituts. Dans le pays comme le nôtre, on aurait pu avoir beaucoup plus des instituts supérieurs que des universités. Malheureusement, on fait l'inverse. Nous, on a beaucoup d'universités, moins d'instituts supérieurs, moins d'écoles professionnelles. Alors, si vous n'avez pas d'école professionnelle, vous avez beaucoup plus universitaire, parce qu'il faut dans la universitaire. C'est un complexe qu'on a. Quand on est universitaire, on s'estime beaucoup plus important que celui qui est allé faire les écoles de formation. Disons, les écoles, la formation professionnelle. Ça ne marche pas. Un État qui veut se développer met un accent profond
sur la formation professionnelle. Bah toi ça la coupe et couture, bah maçon, bah menuisier, bah technicien, tout ça, bah ingénieur, bangonde bah tiaka un œil sur bango. L'État peut dire bon. Notre réseau de routes est à par exemple 2200 km par exemple. On veut créer un réseau de routes à 2000 km sur la ville de sur le territoire congolais. Bon, oh, tout les gens a besoin de la main d'œuvre. Mais il faut qualifier cette main-d'œuvre-là. Ça ne sert à rien d'avoir une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Vous allez l'importer. Parce que quand vous aurez besoin des édifices, il y a solo. Le patriotisme n'agit pas là-bas. C'est la technique, la technicité qui agit. Voilà. Quand on veut construire des maisons, des gratte-ciels, ce n'est pas le patriotisme qui construit. C'est la technicité. Vous allez importer. Or, pour ne pas importer, ça va vous coûter de l'argent. Ça vous coûtera de l'argent. Ça va amputer votre fierté de la souveraineté. On fait quoi? On dit, bon, on va former nos propres enfants. Alors, comment former vos enfants? Il faut les inciter. Par exemple, au Lobiboué, l'État a créé une école, école professionnelle Yamalunga, là où on apprend la menuiserie, là où on apprend Babilo Bélé Bélé Bélé. L'État crée des cadres comme ça. Quand on va donc créer un cadre bongo, l'État incite les femmes, par exemple. L'État dit que les femmes ne vont pas payer ou les femmes vont payer la moitié. Si on va foutre à la moitié, il y a Mbongo. N'est-ce une ingénierie, par exemple, génie civil, tout génie militaire, l'État appelle les femmes. L'État dit toutes les femmes qui vont venir là-bas ne vont pas payer. Autour, en compte à coup dans ça, à foutre l'État fout, l'État lui charge. Et puis après, l'État l'engage. Tous les parents vont devoir envoyer leurs filles à l'école. Parce que ça ne coûte pas, hein. De deux, ils ont la garantie que leurs filles vont travailler. Tant que vous avez que moi, on est au sale, ça va épargner aux filles de se marier pour le refuge économique. Ça va empêcher nos jeunes sœurs de tomber enceintes simplement parce qu'elles veulent dépendre d'un homme. Ça nous aide à développer un pays parce que vous aurez un nombre important de femmes qui ont étudié. Lorsque vous aurez un nombre important de femmes qui ont étudié et qui se rendent utiles dans le secteur, mais vous êtes bénis, vous êtes sauvés. Si on a Bakoya et les hommes, ils ne vont pas payer, mais ils vont payer peut-être la moitié. Mais ils ne vont pas payer. Ils ont un maçon formé. Ils ont un plombier formé. Pompiste formé, pompier formé, dans un invité agriculteur, quelque chose comme ça, en tout cas des formés, diplômés à l'État. L'État me donne ça. Et quand Abimi, on fait un stage. Figurez-vous que vous êtes en deuxième année de droit, pardon, d'un secteur quelconque, mais, Zuban, Abimi, Kenabango, par exemple, na Kasai. Parce qu'il faut pas Tonga, route pont. Na Kasai Mobimba, Barilé Kasai. Maintenant, on prend tous les enfants pendant 2 ou 3 mois. Ces enfants n'apprennent que la pratique. Le sol, yangoyo, batala on mélange boy, bakenda on a boy, batala kaboy. Pendant 2 mois, il y a stage d'abango. Et on les cote en fonction de yango. Quand elles finissent le travail, elles ont une expérience professionnelle. Ce que m'habitue, l'expérience professionnelle de 2 ans. Elle a déjà fait 2 ans et Agoussa la Moussalawana, quand elle était encore étudiante. Elle peut présenter ça. Au moins, qui va vous faire avancer, ma kamoua et belé. Nous voulons avoir des menuisiers femmes. Architecte, père, bassier, belé, baya. Tout ça, c'est l'État qui promet, l'État qui propulse. Bananaï. Mais si l'État lui-même tombe dans la. Bon, il aura l'université, ça ne marchera pas. Un élément important aussi. Nous avons l'université où on va foutre moins cher dans le monde. Notre université, c'est 200 $. 200, 250, 400 à la limite. Mais vous trouvez dans des pays, dans d'autres pays, on vous parle des universités où. Parce que, et je parle d'habitude sur les privés, ça coûte combien? 800. À la limite, 800-900 $. Hmm? 800-900 $, bah, université privée. Mais faites un tour à l'étranger, vous allez voir. On vous parle de 30 000 balles l'année. On vous parle de 27 000, 16 000, 12 000, au but du numéro. Waouh! 12 000, 15 000, 20 000, 30 000 dollars l'année. Parce que Kuna, on forme des chercheurs. Quand un enfant quitte l'université, il a compris quelque chose. Il faut ça la thèse, il faut ça la thèse. Parce que l'État lui a donné la permission de parler dans le secteur. Il a le code de déverrouillage dans le domaine moins quelconque. L'État congolais sera bien découragé. Pourquoi orienter l'école de formation? Il n'y a que l'État de voir. C'est l'État qui donne un point à Kuna en faisant quoi? Moi, j'ai toujours proposé. Beaucoup mis sa frais académique à Unikin, 5 000 $. Et non seulement 5 000 $. Par an, bien sûr. Tout est dedans. Dans 5 000 $. Maintenant, qu'est-ce que vous faites après? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander aux étudiants, au Bakouya, au moins 65%. N'a examen d'État. Au moins 65% n'a examen d'État. Si on a vu 64%, on s'allie test. Et votre test, vous ne pouvez qu'avoir 75%.
sur 10. Donc, il faut 7,5 sur 10 pour qu'on ait l'admis. Au moins, ceux qui vont gagner l'université, dans le principe, dans 2 ans, l'université, c'est vide. Non seulement en termes de mbongo, mais aussi en termes de barème mobino boche. On y barre sur le placement du colo. Quand on va aux études, toqué, na université, et vous mettez ma texte, ma texte ma longa, ma texte, pardon, ma texte ma longa, un test fort. Par exemple, sur le français, la connaissance, il y a langue, il y a français. Parce qu'il y a des étudiants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas parler français. Alors, ce n'est pas possible. Pourtant, vous avez étudié une langue comme une langue de base, une langue s'occupée d'option pendant plus de 6 ans. Ou 8 ans. Non, attends, c'est pas possible. Moutabongo, vous voyez lié conjugaison à Batonios. Vous voyez lié accord à principe Batonios. Dicté français, tout. C'est-à-dire, moi, j'ai eu l'examen d'entrée, d'admission dans Unikin, dans UPC, dans l'université catholique. À ça, nous dicté. Et vous les cotez à la. Donc, ça dit, vous êtes sévère. L'enfant, quand il se rend compte lui-même que. Ah ouais, et Simbaté. Et vous faites comprendre à l'enfant, vous ne pouvez pas faire l'université. Vous ne pouvez pas faire l'université parce que vous n'avez pas gagné. Mais l'État vous propose telle autre chose. Telle autre chose. L'enfant va finir par faire ce que vous lui proposez parce qu'il va comprendre que, ah, il est fin. Et lorsque les élèves font, les étudiants vont faire 5 000 $ l'année, quand on quitte, on va baisser, ça vous permet de réfléchir à l'université et de continuer à avoir des conditions bien. Est-ce que vous avez vu des universités dans Poto? On m'a montré une vidéo. Il y a Home dans Poto. Mais franchement, mes frères, ça n'a rien à voir là-bas. Nabilo, on a pas hôtel, n'a pas papa en bouteille aux ouais. Je vous dis la vérité. Hein. Certaines universités en Europe, on vous montre bah, home là-bas. Je ne dis pas que toutes les universités ont de beaux endroits. Non, hein, hein, non, il y a des endroits aussi chaotiques. Hein. Mais il y a des universités, oh, il y a des universités de luxe. Toi, il y a université à solo. Au tali home là-bas, mais ça n'a rien à voir avec ma chambre d'amis là-bas, home. Et ma chambre d'amis là-bas, hôtel là. Donc, c'est bien fait. Parce qu'on veut mettre l'étudiant dans des conditions malunga. Il paye quand même beaucoup d'argent. Hein? Donc, c'est normal qu'il y ait la place de conditions en bien. Vous voyez ce que ça peut faire? Donc, ça réduit le nombre. Il y a bana. Non seulement, mais ça réoriente le secteur Moussous. Et même les parents diront, mais attends, mon fils, pourquoi tu vas aller faire pourquoi tu vas aller étudier le droit pour 5 000 balles alors que tu peux faire autre chose? Au conseil d'ingénierie, au conseil de génie civil, au conseil de l'architecture, au conseil de la. Au conseil de la Bilo Maboko. Tu peux aller le faire. Là, le travail est garanti. Là, le travail est garanti parce que le pays est un chantier. Et vous avez gagné beaucoup de choses. Quand on aura fini secteur Wana, on peut maintenant prendre les professeurs. Nani yago tangi sana Congo. Au Congo, on a un problème. Tout celui qui est docteur est professeur. Non! Tout celui qui est docteur ne peut pas être professeur. Un professeur, c'est lui qui a suivi un cursus pédagogique, je veux dire, qui non seulement a la connaissance et la transmission en matière naïe, mais au moins il a un peu de pédagogie. Vous savez, le Congolais, on a des gens intelligents, on a des professeurs extrêmement intelligents. Mais quand ils enseignent, personne ne comprend. C'est-à-dire, il est intelligent, il a tridocteur, 4 fois docteur, mais quand il enseigne, personne ne comprend. Il n'a aucune méthodologie. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Mais quand il enseigne, donc on comprend. Quand il entre dans tout balali, il enseigne mal. Il enseigne mal. Il ne sait pas enseigner. Mais quand c'est un assistant qui vient enseigner, tout le monde comprend. Parce que c'est un assistant. Lui, il a la méthodologie. Nous avons des professeurs qui veulent intimider les élèves. Ils veulent intimider les étudiants. Il y a un professeur français, le gola autant qu'il y a. On dirait tu parles à tes amis de professeur. Non. Le professeur, c'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui a bangaté. Mais chez nous, au Congo, c'est le contraire. On a peur d'un professeur. Ce qu'on a eu, on a intimidé Bissot. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est la conjupulation de la météore. Mais attendez des secondes. C'est pour faire quoi à la fin? L'enfant retient quoi dedans? Les critères d'évaluation des professeurs, c'est le nombre d'échecs. Il y a étudiants. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle? Plus les étudiants échouent, lui, il est bien. Il dit, ouais, petit, je vous aiderai à échouer. Nous, on avait un professeur en Bandaka, je crois en G2. Aïe, a PCB sur cours, G2 ou G1, n'a pas été. Éducation nationalité, non, G1. G1. Il vient, il nous dit, ben écoutez, vous allez me donner le nom de l'opposant Zibamboué. L'opposant Zibamboué. Au Zibamboué. Il a dit Morgan Tchangirai. Moi, je connaissais parce que je suivais la radio. Morgan Tchangirai. Mes amis, ben, il va quitter Morgan Tchangirai. N'en pas qui Morgan Tchangirai. Parce que comment Morgan Tchangirai? Il va nous tuer, au commandé. Mais lorsque lui, il dit, je vais coter même l'orthographe, de oh, elle a besoin de échouer. Combo toebi, Morgan, Tchangirai, toebi. Si quoi, comment tu écris Tchangirai? Tchangirai, Tchangirai,
tchungira oyebi te et comme il y a problème tout le temps la maninga to kufisi mutu baninga batalinga ngapena tale zalo kwa zalo kwa bozi bi mais bochongo na sima mais match sil déjà donc to échoua bongo moi j'ai échoué avec le nom de Morgan Tchungira na yebaki mais na oyebi ne ba koma yango te. Vous imaginez un peu pourquoi? En fait, là, quand on va enseigner les élèves, on va tester leur capacité de compréhension. On ne va pas tester leur capacité de mémorisation, non. Le problème, c'est est-ce que l'enfant a compris? Oui, il a compris, laissez-le. Vous voulez que l'enfant reproduise vos mots? Non. L'enfant ne peut pas reproduire vos mots parce que son système de cerveau n'est pas comme le vôtre. Nous, nous avons fait des enfants des perroquets. Ah, répéta kamakamo binou bolobaki. Non, il faut former l'enfant pour la vie. Est-ce qu'il a compris? S'il a compris, laissez-le partir. Vous voulez bloquer l'enfant, il doit répondre le propos, le verbe, le mot. Non. On forme des hommes pour demain bah, s'en sortir. On ne forme pas des petits des gens pour que bah, répondre. Mais la réforme doit se baser sur la question. Les professeurs. Pourquoi? Moi, j'ai été séduit par des professeurs aussi intelligents. Au moins, il faut que le prof soit intelligent, mais capacité n'est au côté de sa matière et au côté. Même notre manière d'interroger, il faut qu'on se remette en question. Au moins, il est comme ça, il a déjà l'école primaire. Tout bon baraba, réponse. Pourquoi? Excusez-moi de vous le dire, je suis vraiment libre d'esprit, mais pourquoi on demande à nos enfants de ne pas montrer leurs enfants, leurs amis, ma réponse? On dit non, et vous facilitez, non, mais il faut apprendre la coopération, mais surtout la responsabilité. Ça commence dès le bas âge. On a dit non, Moni, il faut. D'abord, un, on nous a menti en nous disant qu'il fallait proclamer les élèves. Pas proclamer une école primaire. Heureusement, l'école est belle et bêtise. On nous a demandé de nous proclamer. Donc, le premier de la classe, Bosembe, Batangi Tangi, Timouan Asuka, on t'a échoué. Batangi Bano va échouer. Ben, Messi Bango va échouer. Mais vous les mettez, vous les foutez la honte. On t'a sonnion de Valéo, qu'on passe courage. Ils ont compris que Sonnion est Tika Batumusun Absonnion. Ils n'ont plus eu le courage de se relever. Quand quelqu'un a déjà été étiqueté comme dernier de la classe, ça ne lui donne plus la force de continuer. D'autres ont, oui, ont eu la force de continuer, et pas d'autres, pas tout le monde. Et bien, le Batika la Bongo, il fallait supprimer ça. Les résultats, on les affiche. Ou on les remet aux parents. Chaque enfant est un cas particulier. Quand un enfant vient à l'école, le contrat de l'école et des familles, c'est le contrat de transformation. Les enfants viennent bêtes pour être finalement... de plus en plus éveillés, de plus en plus intelligents. Ils ne viennent pas bêtes, pardon. Les enfants viennent vides. Oui, pas bêtes. Les enfants viennent vides afin que vous puissiez le remplir. Mais non, moi, mon enfant échoue à l'école et vous me demandez à moi de dire non, mon enfant est bête. Non, mon enfant était venu vide. Vous, c'est l'école doit remplir sa tâche. La tâche de l'école, c'est de remplir la tête de mon enfant. À partir de quel moment mon enfant est venu là payer tous les frais? Il est toujours présent à l'école, mais vous n'arrivez pas à l'adapter, vous n'arrivez pas à faire qu'il s'adapte. Le contrat, c'est vous maintenant. Moi, à la maison, je vais faire certainement ma suivi. Il y a moi, Nanga, n'a répété la carrière, ma note, mais il y en a école, on en attend un belé. Mais tout ça, on a dévié. Les enfants échouent et l'école est calme. Comment beaucoup dans la salle, moi, 1000 étudiants, par exemple, et 900 échouent dans la cour, moi. Et le professeur, avec tout l'a dit, oui, va sentir, non? Ceux qui battent Bélé, bah, échouent à la cour à prof, c'est qu'il n'a pas enseigné. Il n'a pas bien enseigné. Parce que tout le monde ne peut pas être bête, non. Comment 10 personnes peuvent réussir et 9 bah, échouer? Examen à professeur et de la capacité à compréhension à Bana. Examen à Bana et de la capacité à compréhension à la cour à professeur. C'est comme ça que ça se passe. Si beaucoup d'enfants réussissent le cours du professeur, c'est que le prof a bien enseigné. Et un professeur vrai ne peut pas être complexé pour ça. Non. Mais maintenant, si beaucoup d'enfants échouent et que le prof... Baka a 10, n'est pas eu. Mais ce prof-là doit comprendre qu'il a eu 10 sur... Il a eu 10 sur 100. Donc 1 sur 10. Mais depuis quand on a inversé Makambu Bongo? Bana ba échoué, belé, pour faire qui bien. Bana ba échoué, belé, pour faire abaye. On a posé un cours dans la malembe. Vous avez il y a eu beaucoup de tricheries. Non. Non. Je pense humblement que... Repensons notre système, ça ne nous coûtera pas beaucoup. Vous voyez que le temps va me manquer pour parler de la justice. Je promets d'en parler peut-être très prochainement, mais toujours dans le cadre de l'enseignement. Un autre élément important. Nos professeurs ne sont pas recyclés. Que ce soit des maîtres de l'école primaire, maître école primaire, bah professeur et à secondaire, nabao et à université, et belé bazar recyclé. Surtout dans l'école primaire, non bazar recyclé. Au commun, on a un professeur qui a enseigné, ça fait 10 ans, il enseigne le même cours.
De la même manière. Ah non, quand même. Un ami me faisait remarquer que, parce que moi, tous mes amis ont déjà des enfants, je suis peut-être le seul à ne pas en avoir encore. Tous mes amis, à un moment donné, quand on va rire avec eux, ils me disent, Christian, mon fils, ma pessie existe un nigno, devoir eux. Mais devoir eux, je me rappelle, na sala yango. C'est-à-dire, ça arrive des moments où le même professeur, parce que ça c'est très souvent, hein, le même enseignant qui vous a enseigné, a enseigné votre fils. Et vous vous rendez compte qu'il a enseigné votre fils de la même manière qu'il vous a enseigné, mais pendant ce temps, le monde a évolué. Ah, on te dit la blague. Le monde a déjà évolué, mais lui continue à enseigner de la même manière, parce qu'il n'a pas le temps d'étudier, il n'a pas le temps d'apprendre. Bon, aussi les conditions de vie, hein, il faut mettre ça aussi en compte, hein, prendre ça en compte. Quand un professeur fait les chants, un professeur est cultivateur, il est mort avec le Kabilo, Kakolia, donc on dit que lui-même, il est dans beaucoup de choses. Il n'a pas le temps de se recycler, il n'a pas le temps de s'actualiser, et même l'État congolais ne met pas de moyens pour recycler ma professeur. J'ai vu un débat en France où on voulait recycler des enseignants. Il paraîtrait que ça le marche chaque année. Chaque année, il fait, pose des questions. Pendant ma vacance, il y a mais comment on recycler ma professeur. Nous, on ne le fait pas. Ça fait 17 ans, ils ont les mêmes leçons, les mêmes cours, les mêmes manuels. Ça ne va pas. Et vous vous étonnez que Banaba à l'université, le français était lui-même le prof a des problèmes. Il y a des mots que l'Académie française a besoin, le prof a évité. Ce que je dis, moi, on a répondu au prof, moi, ainsi qu'à. Parce que l'enfant est éveillé chez lui. Il aura des problèmes avec le professeur. Moi, j'ai vu un prof avoir du mal. Du mal. Alors, vraiment du mal. Yakoloba Gaka, comment on appelle ça encore? Le verbe avoir. Un maître de l'école primaire, c'était en deuxième année. Bah, il fait conjuguer le verbe avoir au temps présent. Même si moi, on a conjugué le verbe avoir au temps présent. Moi, on a peine conjugué j'ai, tu as, tout ça, il a et tout ça. Et puis, on a commis un placement commis, nous sommes. Oui, pour Fabi, applaudissez. Il me dit pa, super. Et l'enfant est parti. Alors, je me dis, mais waouh, c'est donc le prof qui a un problème. Et quand ça. C'était pour les conférences, on approche le professeur, mais quand il parle, tu dis, mais waouh, prof. Qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? Lui-même a des problèmes de diction, lui-même a des problèmes de conjonction, il a des problèmes de. Il y a mon réseau banane ou ma petit au lieu de petit, il y a mon réseau banane ou ma c'est au lieu de ce. Il a lui-même des difficultés en termes de phonétique. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants si lui-même a des problèmes comme ça? Parce que l'enfant a pour premier exemple et modèle son maître. Mais lui-même, le maître dit copétas, nias, faso, au lieu de façon, faso. La façon dont on va étudier aujourd'hui, réseau canaté. Alors, les enfants vont apprendre ça, malheureusement. C'est pourquoi nous devons avoir, l'État congolais doit impérativement avoir, je dirais, un critérium très sévère pour nos enseignants. Tout le monde ne peut pas enseigner. Du côté des professeurs maintenant de l'université, moi, tout ce que je peux dire, c'est que nos professeurs de l'université doivent eux aussi être jugés sur base il y a des travaux na bango, la recherche na bango. On ne peut pas être professeur dans un pays comme la RDC quand on n'a pas été, à mon avis, consulté. Bon, peut-être c'est trop, mais à mon avis, on ne peut pas être professeur au Congo et n'avoir aucune réputation à l'extérieur. Non, je ne vois pas comment. Le Congo est c'est un grand pays, en fait. Il y a un professeur au Congo, mais personne ne te connaît. Tes recherches là, on ne sait pas. Au salaire qu'on place, il n'y a aucune rigueur. Il n'y a pas de rigueur. Ça va de tous les deux côtés. Hein. Il y a des professeurs aussi au Congo qui sont bien, mais qui n'ont pas de moyens. L'État congolais ne s'occupe pas d'eux. Aujourd'hui, si le Japon veut organiser une conférence, le professeur va devoir payer son propre billet pour aller là-bas. Non. Les professeurs n'ont pas les financements pour la recherche. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des recherches. Ils n'ont pas de moyens. Et tout ça, ils n'ont pas. Lorsque les grandes nations et bien la Bangoula comme ça la revue, il y a de la billette. Un colloque moka munene ya ba représentant ba professeur, ba bengi o ya ba franc, ya congolais pe ba ya, mais il va demander à l'État congolais, on ne lui donne que l'autorisation de sortie, mais on ne lui donne pas les moyens. Il va aller vivre comment? Comment il fera-t-il? Comment ça va se passer? Et du coup, dans tous les rendez-vous scientifiques, on se rend compte que les professeurs congolais sont absents. Et le Congo, il se rend compte que le Congo ça toujours absent, mais ceux qui battent l'annuaire, il y a toujours des professeurs. C'est un pays qui produit plus de professeurs, mais qui sont nulle part ailleurs. On ne le voit pas. Le peu de professeurs qu'on voit à l'étranger sont des professeurs qui sont sous-exploités ici. Moi, je me suis toujours posé des questions de savoir comment nous avons des grands professeurs dans ce pays, mais quand il y a des problèmes, on ne s'intéresse pas à eux. Sont retournés les lobes à professeur, le roi à professeur et Sambo.
Autour du professeur, toutes les recherches au Salaki, l'État congolais t'a donné combien pour faire les recherches que tu mènes sur la Constitution? Il te dira rien, c'est ma poche. Autour du prof Njoli, toutes les recherches que tu fais pour la banine, il te dira rien, je les fais dans la poche. Autour du professeur Mutakai Mubenga, professeur Mutakai, toutes les recherches que tu fais là, et Daranani, Ngamoko, autour du professeur Nyoso Upen, tous les professeurs de l'UPEN, tous les professeurs de l'UNUKIN, tous les professeurs de l'ISC, tous les professeurs de l'ISP, tous les professeurs de l'ISTA, tous les professeurs de l'UNIKIN, de toutes les facultés confondues, vous leur posez juste des questions. Attends, professeur Yengawana, autour du prof, toutes les recherches au Salakawana pour le besoin de la communauté, l'État congolais te donne combien? Rien. Alors, lorsqu'un État tourne le dos aux professeurs, mais on leur oblige quand même, si vous voulez avoir un peu de moyens, venez en politique. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est de l'achat des consciences maintenant. Comment vous pouvez voir un monsieur comme professeur Mubengai? Vous avez le professeur Liassa, vous avez le professeur Mohindo, vous avez le professeur Kamana, les professeurs Tumbalouaba, des grands professeurs de notre pays. Mais les recherches qu'ils font, vous voyez là où je suis dans l'appartenance politique d'Abangote, je parle des recherches scientifiques qu'ils font, l'État ne prend pas ça en compte. L'État ne prend pas ça en charge. Et pire encore, les recommandations qu'ils font, l'État ne considère pas. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Autant qu'il y a un programme, il y a le professeur Liassa sur l'électricité. Mais ils vendent d'Ango alors que vous n'avez pas d'électricité. Au Congo, ma professeur est belé à Congo. Babeti, il se lève à banque. Attendez, il y a un rapport, il y a banque. À l'objet, il y a une banque qui est. Mais non seulement l'État n'a pas payé ma recherche, mais l'État ne prend même pas en compte. Alors, il y a une rupture entre les systèmes de gestion en Mboka et ma professeur. Même à ta professeur Bouchab, même professeur Némi Mulania, même les professeurs, tous les professeurs que vous connaissez, à ta PPRD, toutes les recherches qu'ils font scientifiques, l'État ne paye pas. L'État ne prend pas ça en compte. Ça ne va pas. Un État ne peut pas se développer comme ça. Nous, on a des professeurs importants dans ce pays, des vrais professeurs, scientifiquement. Je ne parle pas politiquement, parce que nous, on fait des mélanges scientifiquement. C'est des gens construits. Quand ils te font une analyse scientifique, tu te rends compte que, à peine, Constance et Zali, mes frères, moi, j'ai lu une fois un article de M. Atundu Lionu. Oh, mais non. Non, franchement. J'ai lu un de ses articles. Et je lui ai dit une fois, quand je l'ai reçu il y a longtemps, Nassanabi Kouloutou, je te préfère en écrivant qu'en parlant. Pourtant, en parlant, il est beaucoup plus pertinent. Mais je dis, Nakoko Manon Amonanante. J'ai aimé, j'ai apprécié. Parce que tu sens quelqu'un parler. Des gens comme Mokolo Apombo, par exemple. Ça veut dire que tu dois réfléchir. Je dis réflexion scientifique. Pas appartenance politique. Scientifique. Tu dis, mais waouh, ce pays, il a manqué peut-être la coordination seulement. Mais c'est des gens extrêmement intelligents. Le professeur Bouchab, je le dirai aujourd'hui, je le dirai demain, je le dirai encore et encore. Le livre Inanition de la Nation, si on n'était pas dans le contexte congolais, on n'était pas dans le contexte de conflit, d'opportunité, non. Si on avait juste pris le temps de lire ce livre-là scientifiquement, en se dépassant un peu dans la politique, Nabisso, non, c'est un très bon livre. Tu sens un homme réfléchi, tu dis, mais ouf, Moko Penza, ça sent moi. Si tu donnes ça à un Guinéen ou à un Ivoirien, au PCL, au PC Tanga, il va te dire, ce monsieur est un génie. Mais maintenant, quand au Congo, on lit, on se rend compte que, ah non, ce livre a été écrit dans penchant Moko Boué. C'est là, ça dénote un peu, hein, on dit, bon, mais on a des gens intelligents dans ce pays. Des professeurs intelligents, mais le problème, c'est l'État congolais qui ne comprend pas. En ce qui concerne la réforme de la justice, permettez-moi d'en parler demain. On n'a pas eu le temps suffisant et matériel d'en parler. Merci, Bandeko. Bosunga Bisso. Bisso Peto Sunga Bandeko. Ce qu'on est en train de dire, on a besoin de parler beaucoup plus, mais on n'a pas assez de temps. Pourtant, vous pouvez, à la radio, boucler des choses comme ça et bandarer les caca de temps en temps. Alors, Bosunga Bisso, tout ça, là, yango. Rêve, Nabisso, d'aller tout ça dans la radio, tout ça, peine à TV. Mais tout ça, dans ma cookie, on n'a pas de moyens. Nous attendons vos moyens, nous attendons vos dons. Vous allez bêler, s'il vous plaît. Convaincre Bateau, Azapemé Nabino, inciter Bango de contribuer. On a juste besoin de 2 $, 3 $, 4 $, 10, 1000, 10 000, comme vous voulez. Sachant que tant aux Kaba, pour un intérêt, mon gars, bien. Intérêt, c'est que les Congolais vont apprendre dans les médias Nabisso. Combien ont appris dans YouTube? Si vous imaginez dans la radio, dans la TV, Nabisso Moko, on fera mieux que ça. Nous comptons beaucoup sur vous. Aidez-nous à voir ces médias et ça va être un grand plaisir. Le lien est juste au-dessus.
Les applications et toutes les recommandations, les descriptions sont en bas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'un nyonso. Biloko yale. Yale 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 Congolais. Oni dine kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babonde la yo. Pona mtoto na yo. Moko yale. Poko babonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'un. Oh,